comprises entre 20 et 25 degrés. C'est un peu ce bulletin météo, mesdames et messieurs, dans la région de l'extrême nord. Le mille est présent, profitez-en. Excellente soirée. C'était la météo avec C3A Productions. Leader de l'audiovisuel de troisième génération, C3A Productions vous offre aujourd'hui les solutions de demain. Production et diffusion TV digitale, plateforme d'e-learning TV sans consommation de data. C3A Productions, maîtrise de l'innovation, même la perfection évolue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Et demain, la 24e CAN de handball féminin à Yaoundé. Les Camerounaises affrontent le Kenya en deuxième match dès 18h. Dès l'entame du 20h30, le dossier du soir plante le décor. À découvrir les forces en présence et les 23 Lions sélectionnés pour le kick-off. Et demain, la deuxième session parlementaire de l'année. Sénateurs et députés se retrouvent au Palais des Congrès pour un mois de travaux dont l'apothéose sera certainement le débat d'orientation budgétaire. Veille de session à suivre dans ce journal. Demain peut-être le répit sur le front de la lutte contre Boko Haram après la mort annoncée du chef djihadiste Aboubakar Shekau. Énième annonce ou nouvelle avérée, éclairage en page internationale du journal. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Événement en ce début de semaine au Cameroun, la fine crème africaine du handball féminin est à Yaoundé. La capitale accueille dès demain 8 juin la 24e Coupe d'Afrique des Nations de cette discipline. Affiche d'ouverture au Palais polyvalent des sports, Nigeria, République démocratique du Congo, puis Kenya, Cameroun. Match d'entrée en scène pour des Camerounaises en quête d'un tout premier titre dans cette compétition. Face à elle, 11 sélections également en piste pour ce trophée détenu pour le moment par des Angolaises championnes en titre avec 13 trophées au palmarès. Veille de Cannes et les forces en présence à Yaoundé, Joseph Gouet Amandeng. Sur les 11 pays lancés à la conquête de Dame Coupe de cette 24e CAN de handball, 4 seulement l'ont caressé au cours des 23 éditions antérieures. L'Angola sera l'adversaire à battre. Il règne en maître dans cette compétition avec 13 titres, dont 8 d'affilée entre 1998 et 2012. C'est également lui qui a remporté les deux dernières éditions. Il pourrait rempiler à Yaoundé avec ses 18 joueuses qu'accompagne cet encadreur. Mais avec le nivellement des valeurs, le Congo, la Tunisie, le Nigeria, vainqueurs une fois au moins, savent faire le parcours jusqu'à l'étape finale. Le Sénégal, battu par l'Angola en finale de la dernière édition, a gardé son ossature et pourrait bien jouer les premiers rôles, tout comme la République démocratique du Congo, habituée des deuxième et troisième places depuis 2012. Le Cameroun, trois fois finaliste, pourrait aussi faire figure de favori grâce à la loi du domicile. Les chances secondaires de cette CAN de handball dames, c'est la Guinée et le Kenya, toujours à la recherche des accessites d'honneur. Ils auront un petit avantage sur le Cap-Vert et Madagascar qui viennent à Yaoundé découvrir la compétition. Toutes les 11 sélections vont se comparer en match de poule. Les 8 meilleurs passeront à l'étape des quarts de finale pour la suite du tournoi. Et c'est ici au Palais polyvalent des sports de Yaoundé que se dérouleront toutes les rencontres. Le gymnase de l'Omnisport, lui, sera dédié aux séances d'entraînement de toutes les sélections. La CAN de handball dames 2020, c'est du 8 au 18 juin 2021.
Les Lionnes indomptables sont sereines à 24 heures du kick-off de cette CAN de handball senior dame. Les Camerounaises sont conscientes des enjeux, elles jouent à domicile. Et ce lundi, l'entraîneur sélectionneur Serge Christian Gebogo a dévoilé la première liste des 23 Lionnes qui vont porter haut le vert ou jaune dès demain. Georges Marcel Messila présente cette équipe probable face au Kenya donc. 18 jeux sélectionnés et 5 réservistes, c'est une équipe du Cameroun parée à toutes les éventualités qui entame sa campagne dès ce mardi face au Kenya. Une sélection dont l'ossature est formée en majorité des joueuses évoluant dans FAP, Fonce, TKC et Dynamique de Bokito, 4 clubs phares du championnat local. 13 filles parmi lesquelles Amélie Voix, ailière droite, Jacqueline Mossi-Solé, évoluant au poste de pivot, et Michel Essam, arrière latéral gauche. À la fougue de ces Lions du terroir, l'entraîneur Serge Gebogo et son staff ont ajouté l'expérience du haut niveau en convoquant 5 handballeuses de la diaspora, dont Claudia Eyenga, arrière latéral gauche d'Africa Sport d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Vanessa Njipmou Medibé, demi-centre à Société de Soissons en France. En gros, la liste principale rendue publique ce lundi comporte 3 gardiennes, 4 demi-centres, 6 arrières latérales gauche, 2 ailières droites et 3 pivots. Le coach camerounais pourra toujours s'appuyer sur les 5 réservistes qui constituent sa liste annexe. La conquête du titre africain commence inévitablement par une victoire ce mardi face au Kenya. Obligatoire, c'est entendu, Georges Marcel. Demain mardi, donc, ouverture de la compétition à suivre sur CRTV Sports and Entertainment. Le match Cameroun-Kenya, c'est à 18h. Ce sera après la rencontre Nigeria-République démocratique du Congo qui se joue, lui, à 14h. Et c'est là un autre défi qui interpelle le Cameroun sur le plan de l'organisation de ces grandes compétitions sportives international. Après le succès éclatant du CHAN 2021 et bien d'autres auparavant, on peut dire que l'expertise camerounaise en la matière est désormais avérée, résultat d'une volonté politique forte impulsée par le président de la République, son Excellence Paul Biya en personne. Germain-Noël Essengue. La réputation de bon organisateur des grands événements sportifs au Cameroun doit être maintenue. C'est l'admotif passe avant la quête du résultat sportif. Au pays de Françoise Mbango, c'est l'image qui compte, le drapeau, la renommée, la culture du savoir-faire. Ces principes transparaissent à travers la mise à disposition des terrains, l'accueil, l'hébergement, la sécurité, le respect de la programmation, le côté touristique et découverte, à côté de la compétition proprement dite. Revoici une autre épreuve, la CAN des handball seniors dames, avec pour la première fois un format plus relevé. Le pari organisationnel devient un challenge, le principal enjeu. Le comité local a pris la mesure des choses. Les expériences antérieures sont convoquées en termes de stratégie, de ressources humaines et matérielles. La belle histoire d'organiser a commencé à s'écrire en 2015 lors de la Afro Basketball Dam. Un an plus tard, le Cameroun, frappé aux yeux du monde avec une CAN féminine de football inédite. Récemment, un CHAN d'une parfaite copie. L'histoire doit être réécrite à 8 mois du grand show footballistique continental. Et la présente CAN féminine est une véritable occasion à saisir. Un autre succès organisationnel et sportif qui ajoute des lauriers à la couronne du Cameroun depuis hier dimanche, l'arrivée sans anicroche du 17e Tour cycliste international au boulevard du 20 mai à Yaoundé et la seconde victoire du Camerounais Clovis Camzon à Bessolo. À la clé. Beaucoup de joie donc et la vie qui reprend progressivement son cours après cette belle victoire du coureur de la SNH Vélo Club. Évariste Eyenga, notre reporter, raconte ici le jour d'après pour le champion, lumière sur les secrets et sur les rêves de Clovis. Retour à la maison du chef de famille. Le père de 4 enfants ramène à sa progéniture et à sa femme un maillot jaune et une distinction de meilleur Camerounais du Tour. Retrouver la famille en santé comme ça, ça fait un grand plaisir. Après avoir passé plus d'un mois dehors, la préparation et la compétition. Avant toute chose, le tour du propriétaire, la famille.
Merci, merci. Le gardien de service. Allez, les dames, alors. Les voisins aussi. Clovis peut alors dévoiler le secret de sa réussite. Moi, j'aime travailler. 5 jours d'entraînement par semaine. Ce n'est pas tout. Son employeur, la SNH, lui offre aussi des stages de perfectionnement et de préparation conséquents. Le double vainqueur du Tour du Cameroun et champion d'un Grand Prix Chantal Biya rêve de tomber les records. Un champion, c'est quelqu'un qui aime les challenges. Il faudra que je puisse encore gagner un Tour Chantal Biya pour battre les records de mes anciens. Martin Tega, l'autre, le feu Joseph Sandaï, il est parti. C'est ce lundi que Clovis et son entraîneur prennent congé l'un l'autre. À domicile, la progéniture prend de la graine. Tout autre chose à présent dans le journal, parlons de l'entame des épreuves des baccalauréats et autres brevets techniques. Ce lundi, sur la ligne de départ, quelques 26 542 candidats pour les options sciences et technologies du tertiaire et technologies industrielles. Première épreuve générale et vitale pour tous, le respect absolu des mesures barrières. Daniel Monanga. Nul n'entre ici s'il n'est Covid avisé. Des masques, mais la règle de 24 par salle. Difficile à appliquer. L'expérience du sous-centre écrit du lycée technique industriel et commercial de Yaoundé. Compte tenu de la taille du sous-centre, parfois on a été amené à déborder légèrement, mais dans le respect de la distanciation sociale. Les points de lavage des mains ont été multipliés. Le port systématique du masque a été contrôlé, autant que la température corporelle des candidats. Ici, près de 1300 candidats à l'obtention du brevet des techniciens supérieurs, du probatoire et autres baccalauréats des sciences et technologies du tertiaire. Nous nous sommes organisés afin que l'examen qui a commencé effectivement ce matin se passe sans dysfonctionnement observé. Dans cet autre sous-centre, site provisoire lycée technique bilingue d'Unsam, 440 candidats aux différents baccalauréats. Malgré la précarité, le déroulement des examens est covidisé de l'entrée à la salle d'examen. Pour les membres du secrétariat, désinfection des mains avant et après la distribution de chaque épreuve, mais deux précautions valent mieux qu'une. Les candidats au baccalauréat bilingue étaient, eux, face au jury pour 20 minutes de communication des épreuves orales capitales où il fallait convoquer Molière et Shakespeare pour convaincre des enseignants de langue chevronnée. Laurence Okalia, dans un centre d'examen à Yaoundé. Ready, set, go. C'est lancé en anglais et en français ce matin pour les candidats des séries bilingues baccalauréat session 2020-2021. Derrière leur masque, les candidats respirent l'épreuve orale et rien ne semble les étouffer. J'ai révisé tous les cours qu'on nous a donnés et là je suis prête à affronter mon examen. J'ai déjà eu à m'aider beaucoup et je sais que j'ai aussi eu à faire des efforts en fait. Dans le centre d'examen Charles et Thérèse Mbakop de Yaoundé, les 62 candidats attendus sont tous présents à 9h, heure du début de l'épreuve, pour 20 minutes d'entretien avec le jury. Cette année, on a particulièrement encore mis l'accent sur la lutte contre le Covid. Nous avons une salle d'isolement. Donc s'il s'avère qu'un candidat, pour une raison, est soupçonné, on l'isole dans une salle et il compose sans problème. Cet exercice, propre aux séries bilingues de l'enseignement général, consiste à évaluer la capacité des candidats à s'exprimer oralement et maîtriser un sujet au hasard. La suite demain et les jours d'après dans nos éditions pour ces examens officiels et nous allons voir l'ambiance à Douala, un contexte d'aggravation de l'insécurité. Cela ne compose ni pour le baccalauréat ni pour aucun autre examen officiel. Ce sont des groupes de jeunes organisés, dénommés là-bas des microbes qui continuent de sévir, heureusement toujours rattrapés par des forces de maintien de l'ordre qui veillent au grain. Constat sur le terrain à Douala, Léon Bertrand Tanifo. Comme toutes les grandes métropoles, Douala est une habituée de certains fléaux. Son statut économique renforce les appétits et propulse régulièrement la city au devant de l'actualité, avec pour acteurs des agents de l'insécurité. Heureusement, H24
Les forces de maintien de l'ordre veillent au grand en face des phénomènes de microbes ou de retour qui entretiennent l'insécurité à Douala. Ces 8 derniers mois, les éléments de la Légion de gendarmerie du littoral ont mis hors d'état de nuit une centaine de microbes. 39 ont été interpellés en août 2020, 6 en octobre, 14 en décembre de la même année. 7 microbes ont été interpellés en février 2021, 6 le week-end dernier et 2 ce lundi, au moment où nous rédigeons ce reportage. Les autres secteurs de l'insécurité sont également suivis de près. Au moins 50 interpellations ont lieu à Douala toutes les semaines du fait de la vente ou de la consommation des stupéfiants. Des statistiques qui révèlent surtout l'ampleur d'un mal à juguler par la collaboration parfaite entre les populations et les forces de maintien de l'ordre. Demain mardi est donc jour d'entame du baccalauréat général sur l'étendue du territoire national, mais c'est aussi le jour d'ouverture de la deuxième session parlementaire de l'année. Au Palais des Congrès, sénateurs et députés vont se retrouver pour les députés en fin de matinée, pour les députés en début de matinée donc, et pour les sénateurs en début d'après-midi pour 30 jours de travaux. Les dossiers probables de cette session, Mathieu Kemgo. Le débat d'orientation budgétaire fait désormais la spécificité de la session du mois de juin. Une initiative du ministère des Finances qui permet aux députés et sénateurs d'évaluer à mi-parcours l'exécution du budget de l'année en cours et de faire des projections sur l'année suivante. Également attendu à la session qui s'ouvre ce mardi, le projet de loi de ratification de l'ordonnance présidentielle du 26 mai dernier, texte modifiant et complétant certaines dispositions de la loi de finances pour l'exercice 2021. Plusieurs autres projets de loi de ratification pourraient être soumis aux parlementaires. La lutte contre le COVID-19 fait encore partie des priorités sanitaires du gouvernement. Cette session pourrait être l'occasion pour les parlementaires de solliciter davantage d'explications sur les mesures prises par les pouvoirs publics pour éradiquer cette pandémie. L'on pourrait aussi s'attendre, lors des questions aux membres du gouvernement, à des échanges sur la situation sécuritaire dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Ouverture de la session pour les députés donc en matinée, pour les sénateurs en après-midi, demain mardi. Ce qui fait débat cette semaine au Cameroun, c'est l'émergence de ce nouveau tribunal populaire que sont devenus les réseaux sociaux. Il ne se passe pas une semaine sans que les procureurs de ce nouveau tribunal, que sont les fameux influenceurs et autres lanceurs d'alerte, ne jettent en pâture tel personnalité publique ou telle autre pour de supposés délits. Quelle attitude ces personnes ainsi accusées et condamnées immédiatement doivent-elles donc adopter? Faut-il porter plainte ou se taire? Voici le regard croisé d'experts dans cette enquête que signe Jean-Pierre Congé. Désormais érigé en tribunal du peuple, les réseaux sociaux livrent au quotidien des acteurs politiques à la vindicte populaire. Face à une telle présomption de culpabilité généralisée, le silence doit être d'or, estiment les analystes politiques et autres spécialistes de la communication. Ceux qui ont la charge de participer à l'animation de la vie politique doivent répondre à celui qui leur a assigné le rôle qu'ils ont à jouer au sein de l'appareil gouvernemental. Donc ils n'ont ni à répondre à l'emporte-pièce, au public, ni à ceux qui les accablent par des accusations non fondées. Garder le silence tout en ne perdant pas de vue l'obligation de réserve et les exigences qui gouvernent la communication gouvernementale est l'autre consigne. Un membre du gouvernement devrait se référer au fait que le gouvernement a des porte-paroles institutionnelles et que la prise de parole gouvernementale doit se faire dans l'ordre. Vous ne pouvez pas commencer à répliquer à un certain nombre de choses alors que peut-être qu'il y a des procès à venir, peut-être qu'il y a des présomptions d'innocence. Pour les praticiens du droit, le recours aux tribunaux ne saurait être la seule option. Celui qui estime être victime d'une diffamation par les réseaux sociaux peut transiger avec ses auteurs
au préalable, avant les poursuites judiciaires. Ça veut dire qu'ils peuvent arranger l'amiable, ils peuvent demander à ces auteurs de demander les excuses sur les mêmes réseaux sociaux, ils peuvent demander à ces auteurs de publier la vraie version sur les mêmes réseaux sociaux. Et par ces temps où la toile dicte la loi, il est conseillé aux acteurs politiques de se doter des mêmes armes, blogs et sites web notamment, pour donner la réplique. Le président de la République qui félicite le nouveau Lamido de Garoua. La lettre de félicitations était remise à Sa Majesté Ibrahim Souleymanou El Rachidine ce lundi même par le ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji. S'en sont suivis de longs échanges entre les deux personnalités. Le reportage, Augustin Guizana. Pour sa première sortie officielle à Yaoundé, le 15e Lamido de Garoua est venu au ministère de l'administration territoriale. Sa Majesté Ibrahim Souleymanou El Rachidine est venu recevoir une lettre de félicitations que lui adresse le président de la République Paul Biya à la suite de sa brillante élection à la tête du Lamida de Garoua. Nous souhaitons que vous soyez vraiment le Lamido de rassemblement, de la paix et du développement. Sa Majesté Ibrahim Souleymanou El Rachidine est présenté comme l'espoir de la jeunesse de Garoua. Il l'a dit à la sortie d'audience de plus d'une heure avec le ministre de l'administration territoriale. J'ai une obligation de résultat au niveau de la chefferie de premier degré de Garoua. Il faut poser des actes concrets qui puissent rassurer l'ensemble de la République, le Cameroun, que la jeunesse peut réussir. Âgé de 38 ans, Sa Majesté Ibrahim Souleymanou Rachidine a été démocratiquement élu le 10 mai 2021 à Garoua. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Le coronavirus et ses protocoles compliqués qui auront marqué de bout en bout le 17e Tour cycliste international du Cameroun qui s'est achevé hier dimanche. Les départs des délégations sont également encadrés par ces mêmes protocoles. Chaque membre est par exemple tenu d'effectuer un test PCR. Voyons comment cela a fonctionné durant le tour avec l'invité de Évariste Yenga. Nous les retrouvons tous deux au centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir Évariste, bonsoir à votre invité. Bonsoir, suite et fin des conclusions du tour cycliste international du Cameroun, aspect sanitaire, surveillance Covid-19. Avec nous ici le docteur Élisée Yakana, le chef de l'équipe médicale chargée donc de la sécurité sanitaire de tous les coureurs, les 60 ayant participé à cette édition. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Docteur, à l'arrivée à l'aéroport international, les différents aéroports des délégations ici, qu'est-ce qui était exigé? Carnet de vaccination ou alors des résultats de tests? Ce qui était exigé, c'était des résultats de tests et ces résultats devaient être négatifs. Et maintenant, à l'étape de Kribi, lorsqu'il y a eu le break, la pause, il y a des tests qui ont été prescrits et imposés à d'autres délégations. Pourquoi? Au début de la compétition, il est remis à la sous-commission médicale du Tour cycliste international du Cameroun le planning des départs des différentes délégations. Et pour sortir du Cameroun en contexte de pandémie, il faut présenter un test COVID-PCR négatif fait moins de 72 heures avant la date de départ. Donc, à l'étape de Kribi, puisque les premiers départs auront lieu dimanche soir, nous avons fait prélever tout ce qui était prévu, tout ce qui avait au programme de voyager le dimanche soir. Nous avons reçu tous les résultats. Je peux vous assurer qu'il n'y a aucun test qui est positif. Nous espérons que ça continuera comme cela. Les derniers départs auront lieu le 10, donc les derniers prélèvements auront lieu le 8.
D'accord. Merci, docteur. On l'a retenu. Jusqu'ici, pas de cas Covid-19 importé dans le cadre de ce tour cycliste international du Cameroun. Les coureurs sont testés positivement, testés progressivement à mesure qu'ils retournent dans leurs différents pays. À vous le plateau. Merci Évariste, et on vous a bien compris, on peut dire que tout est bien qui finit bien. Parlons à présent des avancées du projet de construction des lignes de transport d'électricité 225 kV sur la ligne Ahala à Bomban, des avancées évaluées ce lundi par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundo Esomba, qui était notamment accompagné par le ministre Joseph Lé, son homologue de la fonction publique, une élite de ce département de l'Est. Au terme des échanges et de la visite du tracé, les deux personnalités ont constaté que les travaux avancent à un bon rythme, même s'il reste la question difficile des indemnisations. Chose vue et entendu là-bas à l'Est avec Lucrèce Mebenga. Mampan, site de construction du poste de transformation 225 bar 90 kV de la Bomban. 65% de réalisation des travaux sur le tracé. Les populations pourtant en attente d'indemnisation laissent faire. L'État leur en sait gré et leur retourne l'ascenseur. Nous sommes là pour remercier ces populations. Nous leur avons dit les dispositions que le gouvernement est en train de prendre pour améliorer l'accès à l'électricité. Il y a des projets comme le projet de E2C qui va permettre d'alimenter plusieurs ménages. Celui de l'AR, c'est au moins 6 000 ménages qui vont accéder à l'énergie. Il y a des mécanismes, un mécanisme de fonds revolving qui va permettre que les ménages soient directement branchés sans même qu'on leur exige immédiatement de payer les frais d'abonnement. La perspective de voir le Haut-Nyon et dont la région de l'Est sortir de la pénombre en partant d'une offre de 15 à 30 MW réjouit les populations. Nous sommes satisfaits. D'abord, l'évolution du travail. Aujourd'hui, le ministre nous annonce le paiement prochain des indemnisations. Mais ces lignes de transport d'électricité qui vont alimenter l'Est passent par Ayos dans le centre, qui souhaite aussi pouvoir en profiter. Nous avons décidé de construire une ligne d'ossature qui partirait d'Abomban à Ayos. Donc Ayos aura donc désormais un meilleur plan de tension. Et les populations ont décidé de laisser passer la ligne en attendant que les indemnisations suivent. La région de l'Est et la ville d'Ayos verront la lumière dans un peu plus de 6 mois. La sollicitude et la générosité de la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, marraine du Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, c'est cette fois-ci envers les 4 nouvelles mamans qui ont accouché récemment dans cette institution hospitalière. En guise de félicitations, ces dames ont reçu des cadeaux et de la layette pour les bébés, des kits pour les mamans été agrémenté par des bouquets de fleurs, des dons de la première dame camerounaise. À la réception de ces présents, beaucoup d'émotions, comme le raconte ici Joseph Clément Ongwa. Le 1er juin dernier, les blocs opératoires du CRASER bruissaient au rythme des cris des 4 nouveaux bébés. Émue par ses odes à la vie, la marraine du CRASER, Madame Chantal Biya, perpétue une tradition de remise de présents. Des fleurs naturelles, 4 paquets pour les mamans, 4 valises d'effets pour les bébés. Les cadeaux sont assortis du message de félicitations de Madame Chantal Biya. Chez les mamans, la belle surprise remplit leur cœur d'émotion. Merci, l'opportunité qu'elle nous donne de pouvoir avoir nos beaux bébés. Et vraiment, merci beaucoup. Ces paquets traduisent la constante sollicitude de Madame Chantal Biya, entourant toujours les mamans du CRASER de son affection maternelle. C'est une marque d'attention particulière qui nous galvanise toujours. Et de savoir qu'elle est derrière tout ce que nous sommes en train de faire, savoir qu'elle est attentive à tout ce qui se passe ici, c'est tout simplement formidable. Depuis leur naissance, les tout-petits se portent bien. Les naissances se sont très bien déroulées, comme vous le savez, par voie haute. Et nous avons eu des bébés de presque 3 kg qui se portent parfaitement bien. Ces 4 bébés portent à 260 le nombre d'enfants nés depuis 5 ans.
très émouvant. Du nouveau dans le secteur de la navigation aérienne au Cameroun, les professionnels de ce domaine échangeaient la semaine dernière sur les évolutions qu'apporte le système SBAS destiné au renforcement satellitaire, l'opération menée notamment par l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, la SECNAN, devrait renforcer l'efficacité et la sécurité de la navigation tout en réduisant les coûts opérationnels des compagnies aériennes. Notre correspondante à Douala, Marcel Ekassibile, a assisté à l'un de ces vols de démonstration de ce nouveau système pour les opérations d'hélicoptères. Regardez plutôt. Après Lomé au Togo, en janvier dernier, où la démonstration était faite sur les avions, c'est au tour de Douala de vivre le vol de démonstration du SBAS, système de renforcement satellitaire, et cette fois pour les opérations d'hélicoptères. Avant cet exercice, la théorie sur l'efficacité de cette nouvelle technologie a été présentée pendant des conférences et exposées pilotées par JPO, Joint Programme Office, INEOS Afrique, et la SECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Ce nouveau système se veut révolutionnaire. L'avantage, c'est surtout la sécurité, puisque l'avion connaît précisément sa position. À un mètre près, il a sa position exacte. Et l'économie pour les compagnies, pour aller d'un point à un autre, vous allez prendre donc le chemin le plus optimal. Et en suivant donc le signal que vous recevez, vous allez donc atteindre votre objectif beaucoup plus rapidement et gagner donc du temps. Le test effectué entre Douala et Kribi a permis de toucher du doigt la sécurité et l'efficacité désormais assurées aux pilotes pendant leurs différentes manœuvres. Actuellement, nous utilisons notre radar météo qui est limité lorsqu'il pleut beaucoup. Et à l'avenir, avec le système SBAS, il y a un hélicoptère équipé, eh bien nous pourrons faire des approches sur les plateformes dans de meilleures conditions. Pour nous, lorsque la météo n'est pas bonne, c'est difficile qu'on vole, mais avec le système SBAS, on peut voler actuellement. Et le système SBAS nous permet d'avoir une certaine flexibilité, une optimisation au niveau du temps de vol. Et pour les compagnies d'hélicoptères comme nous, c'est vraiment très important. En attendant, les premiers services opérationnels du système SBAS prévus en 2024 au Cameroun, ce seront aux villes de Kinshasa et de Brazzaville d'accueillir les démonstrations de ce projet financé par l'Union européenne. Et je vous amène en Suisse pour vivre la fête de ces distinctions honorifiques pour le compte de la 49e fête nationale de la fête de l'unité à la représentation permanente du Cameroun auprès des Nations Unies. Et c'est Son Excellence Salomon Ehet qui a présidé la cérémonie de remise de ces médailles à trois personnels de la représentation diplomatique. C'est vrai, Alegambele. À la mission permanente du Cameroun à Genève, malgré les mesures restrictives qu'impose la régulation sociale liée au Covid-19, on est resté attaché aux rites et symboles républicains qui accompagnent la commémoration de la fête de l'unité. Pas de défilés, pas d'activités culturelles habituelles, la 49e édition de la fête nationale a toutefois donné la possibilité au chef de la mission de remettre les décorations attribuées par le président de la République à trois récipiendaires promus respectivement, au grade de commandeur de l'ordre, de chevalier de l'ordre de la valeur et au grade de chevalier du mérite camerounais. Derrière le rituel, conduit par Son Excellence Ehet Salomon, ambassadeur et représentant permanent de la République du Cameroun, auprès de l'Office des Nations Unies, de l'Organisation mondiale du commerce et des autres organisations internationales, il faut voir la reconnaissance des services rendus de manière honorable à la nation, la reconnaissance aussi de la qualité exceptionnelle des initiatives prises par les promus. Tout cela est rappelé dans la prise de parole circonstante du chef de la mission, qui s'est d'ailleurs appuyé sur les mots-clés de la devise du Cameroun pour situer l'événement dans son contexte. À cette cérémonie sobre, on a vu associer les Camerounais amis du Cameroun exerçant dans le système multilatéral à Genève.
Le djihadisme dans le Sahel peut être en perte de vitesse avec la fin probable de son chef terroriste Aboubacar Shekau, qui serait mort depuis hier dimanche. Plusieurs médias nigériens et étrangers relaient en effet un message audio du leader de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, une faction rivale, qui annonce la mort de Aboubacar Shekau, qui se serait suicidé dans la forêt de Sabissa à l'est du Nigeria en actionnant une ceinture d'explosifs lors des combats qui tournaient en sa défaveur. Nous faisons la lumière sur cette information avec Augustin Guisana. C'est une fin éventuelle d'un terroriste. Aboubacar Shekau serait mort. ISWAP, le groupe d'État islamique en Afrique de l'Ouest, a confirmé la mort du terroriste le plus recherché de la zone du Sahel. Après plus de deux semaines que de violents combats ont opposé des factions djihadistes et rivales dans le nord-est du Nigeria, rapportent plusieurs médias nigériens et étrangers, le chef historique de Boko Haram s'est suicidé. Dans un message audio, Abu Mossad al-Barnawi, le leader du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, indique qu'Aboubacar Shekau a fait sauter sa ceinture d'explosifs pour ne pas se rendre alors qu'il était assiégé par les hommes de l'ISWAP. Le message précise que c'est dans la forêt de Sambisa, à l'est du Nigeria. Quatre jours après cette annonce, ni l'armée nigériane, ni la force mixte multinationale, moins encore un gouvernement au cœur des théâtres des opérations de Boko Haram n'a encore confirmé cette mort. C'est la quatrième fois qu'on annonce la mort d'Aboubacar Shekau. Pour l'histoire, Aboubacar Shekau est à la tête du groupe sunnite pour la prédication et le djihad, connu sous le nom de Boko Haram depuis 2009. En 2015, il prête allégeance à l'État islamique, devenu une faction dissidente de la secte qui opère en Afrique de l'Ouest. Information à suivre donc, et voilà qui met un terme à ce 20h30. Pour les nouvelles du jour, il y a essentiellement cette grande annonce de l'événement demain, l'ouverture de la 24e CAN de handball féminin à Yaoundé. Les Camerounaises vont affronter en deuxième match à partir de 18h les Kenyanes. Ce sera donc relayé sur notre chaîne CRTV Sports and Entertainment. Le match Kenya-Cameroun, c'est à 18h à la suite de la rencontre Nigeria-RDC à 14h. Et demain également s'ouvre la deuxième session parlementaire de l'année pour les sénateurs et les députés. Le journal était préparé avec la collaboration de Martine Nwendenge et de Augustin Gononga. Vous aurez un autre journal à minuit présenté par Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Retrouvez pour l'immédiat sur cette antenne Yves-Marc Mezzo dans le magazine Présidence Actu, consacré essentiellement ce soir à l'actualité présidentielle de ces dernières journées. Très belle soirée sur toutes nos antennes et à demain, 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.